Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on va faire une révision sur un moteur. Moteur que tu as déjà vu passer dans la chaîne, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en début de saison, le moteur de Mat 47, hein, le sans faste qu'on avait fait entièrement. Et donc là, petite révision, on va lui remettre un piston neuf, le repasser au banc, etc. Parce qu'il a en même temps changé d'échappement. Donc il avait un échappement KRM 90-100 AM6, maintenant il est passé sur un derby. Alors bon, c'est exactement les mêmes, hein, mais le derby passe un peu mieux sur sa moto. Au passage aussi, il veut que je lui montre donc le carter d'embrayage Valenti, hein, si jamais tu connais pas. Alors bon, inutile de me demander d'où ça vient, etc. Hein, c'est une pièce qui n'est plus fabriquée. On a réussi à en avoir une petite série, et puis maintenant c'est fini, fini, fini. Donc voilà, donc très belle pièce, hein, franchement. Voilà, c'est plutôt sympa, carter d'embrayage démontable. Alors, oui, démontable en deux parties. Hein. T'as une partie démontable ici, puis bon, le carter forcément démontable standard. T'as un remplissage d'huile qui se fait ici directement. La pompe à eau montée sur roulement, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une chouette petite pièce. Voilà pour ça. Alors par contre là, clairement, gros coup de gueule. Hein. Franchement, Matt, c'est clairement abusé pour le coup. Je suis vraiment pas content après toi. Parce que là, me renvoyer un moteur dans cet état-là. Je le dis pour vous et je le dis pour toi aussi. Je prends ça un peu comme du foutage de gueule pour le coup. Voilà, j'imagine bien que le moteur il allait pas pouvoir être clean, 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 etc. Mais là, à ce point-là, c'est vraiment c'est abusé en fait, hein. Je pense que, comme n'importe qui, hein, quand on va chez le médecin, on se lave le cul. Bah là, c'est un peu pareil. Allez, avec un peu d'huile de coude, et j'ai bien dit de coude. Je t'entends venir. Je vais pas parler de mes roustons. Hein. Après un peu d'huile de coude, hein, du coup, bon voilà, c'est enfin plus présentable déjà. Ça ressemble plus à quelque chose. Hein. Surtout que c'était des carters qui étaient 100% neufs. Donc bon, à un moment, ça fout un peu les boules quand même, quoi. Bon voilà, là en tout cas, c'est revenu vraiment bien clean. Ah, à une main, je galère un peu, tu m'excuses. Voilà. C'est revenu bien clean partout, ça fait plaisir. Maintenant, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Les enfants, juste pour le plaisir des yeux, je t'ai donc défait le petit carter d'embrayage, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble, comment c'est fait. Tu vois, c'est enfin, c'est vraiment top. J'ai vraiment rien à dire là-dessus. C'est une magnifique pièce. Et bon, même si dans une précédente vidéo j'étais un peu sceptique, hein, avec toutes les trucs, toutes les touches un peu tuning de mat, etc., je dois dire que le rendu est quand même vraiment beau. Ça me plaît beaucoup. Donc bon, plutôt cool. Allez, je remonte ça. Tu vois, franchement, ça va tout seul. C'est vraiment top. J'ai juste une vis plus courte que les autres qui va ici. Et après, hop, toutes les autres, c'est les mêmes. Alors, techniquement, hein, je dirais que ça n'a pas forcément lieu d'être, hein, comme pièce. Par contre, c'est vrai que pour le coup... Si on sort le plan esthétique, le fait d'avoir accès directement au carter d'embrayage comme ça, comme sur une machine de course, bah, je veux dire que ça a un certain intérêt, hein, pour tous les gens qui font de la course, mine de rien. C'est quand même plutôt cool.
Ça évite de tout tomber à chaque fois, ça évite de se retaper un joint de carter d'embrayage à chaque fois. Enfin, bon, ben voilà, à un moment, de toute façon, faut pas rêver, hein. Il faut ce qu'il faut. Allez, je finis ça et je passe au piston. Alors, ça continue d'avancer, hein. J'ai déposé donc le haut moteur, hein, pour vérifier dans l'état que c'était, et puis de toute façon donc, je devais lui mettre un piston neuf, hein, je te le rappelle. Et là, c'est le moment où je me suis rendu compte que bah, il a arrêté vraiment, hein, au bon moment, Matt, parce que là c'était vraiment très très juste. Alors je vais te montrer, hop, pourquoi je te dis ça. Voilà la tête du piston. Alors là, qu'est-ce qu'on voit, hein? On voit clairement un piston qui a détonné. Et ça a détonné assez fort d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Généralement, hein, quand on voit de la déto comme ça, donc moi je connais les paramètres du moteur, je connais les paramètres avec lesquels je l'ai monté, donc je sais que le problème ne vient pas de là. Par contre, en fait, ça arrive aussi quand on roule trop pauvre avec un moteur. Et là, comment je peux être certain que c'est ça qui se soit passé? Je te remontre exactement la tête du piston. Voilà, quand tu regardes, hein, la déto qu'il y a, donc tout le tour du piston est complètement mangé, hein. C'était en train d'exploser, hein. De toute façon, il aurait insisté comme ça aurait sauté clairement. Mais tu vois, derrière, ça a reroulé avec un gicleur qui était plus gros et on a de la calamine, hein, qui est venue se poser sur la détour. Donc voilà, c'est vraiment la preuve, hein, que c'est le problème qui s'est passé. C'est que, en fait, je pense que Matt est pas encore très très habitué là-dedans et il s'est fait avoir sur la carb. À un moment, il a dû rouler trop pauvre. Et oui, bon, bah, voilà ce qui se passe, quoi, malheureusement. Alors, c'est tout le problème, hein, de ce genre de moteur de course, hein, pas forcément que le sans fast, hein, ça arrive aussi sur beaucoup d'autres moteurs qui sont poussés, qui sont préparés. C'est que bah, quand on veut tirer la quintessence du moteur, on est obligé d'être toujours limite carb. Ce qu'on appelle limite carb, hein, c'est d'avoir pile poil le bon truc pour avoir toute la puissance du moteur sans aller casser. Et le point limite, il est vraiment, bah, il s'appelle limite parce que c'est très très juste, hein. À 2 points près, tu vas être bon, et 2 points de moins, bah, tu peux risquer la casse. Donc voilà ce qui s'est passé. Et il m'a dit, hein, donc, que sur ses derniers roulages qu'il a fait, il a été tiré des grosses pointes avec un de ses amis, et il avait enrichi énormément la carburation. Et donc là, bon, bah, voilà, c'est ce qu'on voit. Hein. De toute façon, j'ai la bougie qui est là sous les yeux. Je vais te mettre dans l'autre sens et te faire un zoom dessus. Hein. Tu vois que là, ça a roulé pour le coup extrêmement riche. Hein. Donc là, il a vraiment été à l'inverse. Je sais pas si tu vas bien bien voir. Là, tu vois que c'est vraiment très très noir sur la bougie. Donc maintenant, ce qui va se passer pour ce moteur. C'est simple. Moi, à la base, Matt, quand il m'a envoyé le moteur pour lui faire la préparation, il m'a dit, Aurel, fais-moi un moteur pour le Wheeling Contest. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, un moteur où on prend quand même moins de marge de sécurité qu'un moteur type piste, si je puis dire. Donc, on va un peu dans les limites, hein, en termes de taux de compression, ce genre de choses, mais tout en gardant une certaine quand même marge de sécurité, on est obligatoire puisque ça roule au sans-plomb 98 et il vaut mieux garder une petite marge de sécurité. Maintenant, la marge de sécurité, elle est moins élevée que pour un moteur type piste. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais redécomprimer un petit peu le moteur histoire d'être un peu plus tranquille de ce côté-là. Mais bon, quoi qu'il arrive, hein, même décomprimé, si la carburation n'est pas bonne, il va se passer exactement la même chose. Bon, c'est difficile, hein. C'est les lois de la mécanique, c'est comme ça, c'est les lois aussi des moteurs préparés, hein. T'auras beau faire le meilleur moteur du monde, si la carb elle est pas bonne, elle est pas bonne, quoi que tu fasses, hein. Donc je vais essayer de prendre un petit peu plus de marge de sécurité sans aller non plus trop sacrifier les performances du moteur. Je remonte tout ça, on le met au banc, on le rôde, et puis voilà, on voit ce que ça donne. Sans déconner, quel bonheur de pouvoir remplir ça comme ça. Bon, là, tu me diras, j'aurais pu faire par le tout remplissage standard, hein, parce que le moteur est posé hors d'un châssis. Mais quand tu es dans un châssis, je peux te garantir que là, c'est juste le bonheur absolu, quoi. Allez, hop, c'est parti. Bon, désolé pour le bruit, hein. Donc là, je viens de finir de roder le moteur. Il est en train de refroidir, forcément, ça fait un tir cool. Et puis, on va envoyer du bois. Bon, je viens d'effectuer donc un premier tir. Et là, je
Je vais te dire que ça pue grave. Je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais il y a un souci quelque part, c'est sûr et certain. Donc le moteur est parti la dernière fois, il y avait la courbe rouge, hein, 31.3 pour 17 de couple. Là on est à 29.2 pour 15.7 de couple. Donc là c'est la courbe verte que je viens de faire à l'instant. Bon, bah là il va falloir investiguer pour savoir ce qui se passe, parce que là, bon bah tu te doutes bien que c'est pas normal du tout. Alors si tu te souviens, au début de cette vidéo, je t'ai dit que je te ferais gagner quelque chose. Je te montre un petit peu de quoi on parle, hein, des superbes pièces en carbone. Alors avant de te donner un petit peu plus de détails là-dessus, c'est la toute première fois, hein, que je fais ce genre de jeu concours. Sache que je le fais vraiment pour le plaisir, que c'est totalement gratuit, j'insiste bien là-dessus, que je vais t'envoyer la pièce totalement à mes frais. Donc voilà. Rien de plus à dire là-dessus, je vais t'expliquer, une fois que je t'aurai présenté les pièces, hein, comment faut faire pour pouvoir jouer. Donc le fabricant m'a contacté, hein, pour pouvoir présenter ces pièces, donc il me les a offertes. Donc je lui ai dit, hein, envoie-moi les pièces derby, hein, forcément j'utilise que ça. Et là en même temps m'est venue l'idée, bah tiens, pourquoi pas en même temps essayer de te faire gagner quelque chose. Et donc là je me suis dit, bah, mets-moi en plus un cache allumage AM6. Que je ferai gagner donc à ma communauté. Donc tu vois, la pièce en question, elle est juste là. On est vraiment sur de la pièce de qualité, c'est incroyable. Hein. Le poids, il est juste complètement dingue. Je pense qu'il n'y a qu'une feuille de carbone à mon avis, donc autant me dire que ça pèse rien. Et enfin, le résultat, il est brillant et tout. La maille de carbone, elle est pas... ça arrive des fois, on le voit sur des pièces, hein, où la tresse de carbone, elle a été dans les angles un peu... petit peu malmené, tu vois, là il n'y a rien de tout ça, enfin le mec vraiment il connaît son job, ça se voit la qualité des pièces quoi. Et donc j'ai toutes tes pièces un derby, donc ça moi je les mettrais sur ma GPR de piste, hein. Donc j'ai le cache allumage derby avec son cache pignon qui vient comme ça, j'ai le cache pompe à huile juste ici, et là une petite tulipe d'admission qui va sur le carbu. Le mec, hein, il aime tellement ce qu'il fait que comparé à d'autres personnes qui font de la pièce comme ça, où les gens en général font des moules en fibre tout simplement, bah lui, non, c'est pas des moules en fibre, c'est carrément des moules taille et masse, dans des pièces en alu carrément. Enfin, moi, ça m'a fait halluciner. Franchement, bon, je suis un amoureux du taille et masse, j'aime beaucoup le carbone et tout, je trouve ça super, super noble comme matière. Mais là, j'ai quand même rarement vu des pièces d'une telle qualité. Et puis tu sais quoi du coup ? Je viens de me décider, me demande pas pourquoi, vu que le tirage au sort aura lieu le 1er décembre, on sera dans la période de Noël, alors je vais tout te faire gagner en fait. Ouais, comme ça, non seulement il n'y aura pas de jaloux, et puis j'espère que je ferai 4 heureux. Alors 4, pourquoi 4 hein ? Parce que le nombre de pièces, donc je vais le diviser par 4. Il y aura un gagnant pour la tulipe en carbone, un gagnant pour le cache pompe à huile, un gagnant pour le cache allumage derby, et un gagnant pour le cache allumage AM6. Donc pour gagner, ça va être vraiment très simple. Je te donne rendez-vous sur Instagram. Tu auras le lien de mon Instagram en description, juste en dessous. Et tout va se passer là. Donc tu trouveras la publication avec la photo des pièces, écrit que c'est un jeu concours. Tu auras juste à t'abonner à mon Instagram, t'abonner à l'Instagram AvilisOCNARB. Tu pourras le trouver très facilement. Écrire « Je participe » en commentaire sur ma publication Instagram. Identifier 3 de tes potes. Et à partir de là, ce sera bon, tu seras enregistré comme participant. Je te montre quand même au cas où, hein, l'Instagram du fabricant. Donc tu vois, il fait plein de choses vraiment sympas. Pour un peu tous les types de moteurs. C'est vraiment des superbes pièces. Le gagnant sera donc tiré au sort en live, en direct sur Instagram. Peut-être sur YouTube, je vais voir si j'arrive à faire les deux en même temps. Ce sera le vendredi 1er décembre à 19h. Je compte sur toi, note bien ça dans ton agenda si tu veux voir. Si tu fais partie des gagnants. Bon, j'allais te raconter un truc, je sais plus ce que c'est, j'étais coupé dans mon élan avec des problèmes de micro. Quand ça veut pas la technologie, hein, ça casse les... Bon, t'as compris ce que je voulais dire. Bref, pour en revenir à notre moteur. Alors, j'ai avancé de mon côté, je t'ai pas filmé grand chose parce qu'en réalité j'ai bien galéré. Alors, je te montre un petit peu ce que ça donne au niveau des courbes à l'écran. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi j'ai galéré.
Alors, hop, on reprend les choses dans le bon sens. Donc, dernière fois, quand le moteur est parti d'ici, hein, on avait la courbe rouge ici. Donc ça, c'était sur la précédente vidéo de ce moteur-là. Là, je lui fais le premier tir au banc, j'ai la courbe verte. Alors là, par contre, je comprends pas. Je commence à vraiment m'inquiéter pour le coup. Là, il y a un truc qui colle pas. Tu te mets à incriminer plein de choses. Tu te mets à essayer plein de choses aussi. En l'occurrence, tu vois un truc bête, hein, l'allumage de mat a été entre guillemets modifié au niveau de la cosse, hein, d'allumage. Pour ceux qui connaissent, hein, les PVL, ils ont tous à peu près la même cosse de branchement. Et là, en l'occurrence, hein, la cosse a été remplacée par ce type de cosse. Alors jusque là, c'est très bien. Sauf que ça, moi, ça ne se montait pas en fait, hein, sur le boîtier CDI que j'ai, qui est fixe, hein, sur le châssis de banc ici. Donc tu vois, j'ai dû faire un montage entre les deux. Si la caméra veut bien te montrer, voilà, tu vois, j'ai dû faire un montage ici. Donc là, forcément, c'est la première chose, moi, que j'ai testé. Je me suis dit, merde, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Je pense pas que c'est un fil qui était mal connecté, mais tu sais, des fois, les parasites, choses comme ça, ça fait des trucs vraiment bizarres. Bon, je teste donc un stator PVL qui n'a pas été modifié au niveau de la cosse. Même chose. Bon, je comprends toujours pas. Je commence à faire le tour un peu de tout. Hein, puis je vois rien de spécial jusqu'au moment où en fait je tombe sur un joint spi côté boîte de vitesse, hein, qui avait bougé. Alors je sais pas ce qui s'est passé, pourtant je les colle. Alors je les colle à la pâte à joint pour que ça reste démontable facilement sans rien abîmer. Mais là il avait bougé. Donc bon, je le remets en place. C'était un peu mieux, mais j'ai toujours pas ce qu'il fallait, quoi. Donc là je continue à bosser et alors là je suis tombé sur un truc. Alors je suis tombé dessus, oui et non tu me diras, mais un truc assez incroyable pour moi, vraiment pour te dire même improbable. Donc le test que j'ai fait juste après la courbe verte, hein, une fois avoir remis le spi en place et le truc sur lequel je suis tombé, donc j'ai eu la courbe orange. Et alors là, j'ai réalisé que c'était la première fois de ma vie que je tombais sur un moteur avec un gicleur 25 points trop gros. Que je te dise pas de bêtises, hein, je crois que ça doit être à peu près ça. Donc il y avait un gicleur principal de 196 dedans, et moi je suis descendu à... Je te dise pas de bêtises, j'ai la boîte sous les yeux. Hop, je suis descendu à 164. Donc, là pour le coup, c'était assez improbable. Dans le sens où, bon, normalement quand t'as un gicleur qui est trop gros, clairement on est d'accord, le moteur ne fonctionne pas, hein, ce qui paraît logique. Mais surtout... Non seulement il fonctionne pas, mais en fait il prend pas de tour. Et là en l'occurrence, même avec 25 points de trou, il prenait encore des tours. De toute façon, on le voit bien sur la courbe verte. Il allait chercher quand même 14 002 à peu près, encore c'est moins qu'arrêté. Donc truc complètement improbable, quoi. Je me suis dit là, mais je capte pas en fait. Donc bon, le principal étant que j'ai trouvé la base du problème. Et enfin les bases du problème pour le coup, et là je suis tombé sur autre chose, je te montre tout de suite. Alors tu te souviens, hein, ou tu te souviens pas d'ailleurs, dans la précédente, enfin les précédentes vidéos même où j'ai fait donc le moteur de mat, donc c'est un moteur derby, excuse-moi, qui est adapté dans un châssis de Minarelli AM6, en l'occurrence un châssis Honda HM, d'ailleurs très belle moto qu'il a mat. Et quand j'avais fait le moteur la première fois, il avait toujours son pot AM6. Donc le moteur a été développé entièrement avec le pot Minarelli AM6, etc. Voilà. Sauf que le problème qu'il y avait sur son châssis, c'est que le pot au niveau de l'arrière, il tombait assez bas et lui sur piste, il avait tendance à frotter pas mal. Et donc je te disais avant que le téléphone sonne. Donc il avait l'arrière du pot, le cul du pot, hein, descendait un peu bas, il avait tendance à frotter sur piste. Du coup, Matt, il a fait quoi? Il a remplacé son pot par un pot derby qui, lui, était plus haut, voire même un peu trop haut. Donc là, pour le coup, il a fallu le chauffer et le cintrer. C'est là qu'est le problème. Il l'a un peu trop cintré, pour le coup. Et alors, je sais pas comment il passe sur son châssis. Hein, je t'avouerai que j'ai pas refait attention depuis s'il a été trop ouvert ou pas assez. Toujours est-il qu'en fait, le pot, il est complètement écrasé. Alors, je vais te mesurer le truc pour que tu te rendes compte à quel point c'est écrasé. Donc un peu l'échappement, hein, c'est rond, hein, sur toute la longueur. Alors c'est rond à, on va dire, peut-être 2, 3, 4, peut-être 5 dixièmes près. Hein, ça reste de la tôle qui est roulée à la main, donc ça peut pas être 100% rond. Mais là, il n'y a pas besoin de pied à coulisses pour s'en rendre compte. Hein, je te donne juste moi les cotes au pied à coulisses, histoire que tu comprennes à quel point on a le problème. Alors là, je le prends comme ça. J'ai 44,6. Maintenant, au même endroit, je viens le prendre comme ça. J'ai 39,5. Ouais. Non, non, tu n'hallucines pas. Et moi, pour le coup, j'hallucine parce que visuellement, je pensais pas qu'il y avait autant quand même. Et du coup, quand je me suis aperçu de ça,
Eh bien, j'ai choisi de mettre mon propre pot KRM 90-100 pour faire la comparaison. Et là, je vais te remonter la différence. Donc là, avec mon propre pot KRM 90-100, hein, on arrive sur la courbe blanche. Donc on reprend quasiment la puissance qu'on avait avant, voire même un peu plus, on est à 31,7. Bon, ça, voilà, ça dépend un petit peu des réglages, etc. à l'instant T. Par contre, voilà, on voit que par rapport à la branche qui était la courbe précédente, on en récupère sur toute la courbe. On récupère du couple, on récupère de la puissance, bref. On récupère tout quoi. Alors, on ne reviendra pas sur la courbe rouge. Ça, c'est logique. Là, la différence qu'il y a entre la blanche et la rouge, hein, elle s'explique par le fait que moi, j'ai repris une marge de sécurité dans le moteur. Alors, quand je te dis que j'ai repris une marge de sécurité dans le moteur, c'est que j'ai été le redécomprimer un petit peu. Donc, j'ai remis un petit coup dans la culasse, hein, tout simplement, voilà, pour le redécomprimer un petit chouïa. Donc là, bah, je suis bien embêté parce que on a ce souci-là avec les échappements. Ça me donne en plus deux réglages assez différents sur la moto. Alors quand je dis deux réglages assez différents, c'est accord d'échappement et calage d'allumage qui sont différents. Clairement, je sais pas quoi faire. Alors je suis obligé de me débrouiller avec ce que j'ai dans les mains. Ça, c'est indéniable. Mais je suis un peu dubitatif pour le coup. Maintenant, pour en finir avec ce moteur, donc je te montre enfin les courbes finales. Donc voilà, toute dernière courbe, hein, la courbe jaune. Donc bon, malheureusement, j'ai pas réussi à recoller, hein, au mieux à ce que j'avais avec mon pot d'échappement. Je t'ai enlevé, hein, la courbe, hein, avec mon pot, hein, mais bon, on était globalement entre les deux, hein, un peu partout ici. Et on arrivait un petit peu au-dessus en termes de puissance là. Donc là, grossièrement, on a la même chose que sur la courbe verte. Par contre, tu vois, l'avantage, c'est que j'ai réussi à aller chercher un petit peu plus de plage. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein. Dans l'agrément d'utilisation, c'est toujours sympa. Donc maintenant, je t'enlève ça. Et je te montre vraiment la différence entre avant, après. Donc, petite perte quand même, je vais pas dire conséquente parce que c'est pas le cas. D'ailleurs, je vais te dire exactement ce qu'on perd, on va dire, admettons, ici, à 11 000 tours, on avait 23,88, on a 22,81, donc on perd un cheval, hein, dans toute la montée. Par contre, on récupère un bon 500 tours de plage, hein, voire quasi 600, hein, pour la chute de courbe ici. On arrive sur une puissance maxi qui est à peu près similaire, hein, puisqu'on avait 31,3, on a également 31,3, on avait 17 de couple, on a 16,5 de couple. Je trouve que c'est quand même pas mal, toute proportion gardée, en se disant qu'on a le problème du pôle échappement qui est à moitié écrasé du haut cintrage, plus moi la petite marge de sécurité, hein, que j'ai repris donc en décomprimant un petit peu le moteur. Donc bon, je pense que c'est plutôt pas mal, il y en aura déjà largement de quoi s'amuser. De toute façon, en étant tout à fait objectif, hein, si le moteur roule beaucoup trop riche, quoi qu'il en soit, t'auras beau avoir le maximum de chevaux que tu veux, tu pourras jamais en profiter. C'est toute la subtilité, hein, de ce type de moteur, hein, c'est que si on veut vraiment profiter du maximum de ses performances, il faut être très très fin en réglage, et c'est vrai que ça peut être compliqué, je le conçois. En attendant les amis, on arrive maintenant au terme de ce vlog. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, que le petit jeu concours va bien vous plaire. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Bonne soirée, ciao!